personne ne balader. Nous ne permettrons à personne de balader les vies. Et pas qu'on ne rien ne se passe. C'est donc pour commémorer ce jour où le peuple malien et ses forces armées de sécurité se sont retrouvés pour redonner confiance au Mali et à la vie. Le Cabré et le Burkina, et le Niger, et l'Aïe, nous supposons que d'autres suivront. Et dans le point de départ, c'est nous. Il ne faut donc pas que nous permettons, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque complexe que ce soit, parce que là, ils ont compris. Le banal 17, il y a bien sûr beaucoup. Et lui, beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, soit mauvaises d'ailleurs, par rapport à ce combat. Le troisième objectif, le deuxième dit, c'est de soutenir les femmes. Les braves femmes de la République. Et là, je vais appeler le gouvernement de ce sont les femmes au plus de sacrifices ultimes qui nous ont restitué notre honneur, qui nous ont redonné la confiance, qui ont redonné confiance à la vie et à tous les premiers soucis du monde. Aujourd'hui encore, des hommes qui ont fini de tomber, pratiquement nos ressources. Il y a des milliards de fouillés qui est gouvernement. Je pense que si vous êtes à développer les maillots dans le front, vous serez succès. Nous ne sommes pas de mieux que cela, de reconnaître et saluer ceux qui sont restés du bail dans le programme. Nous avons dit très clairement que dans la bataille actuelle, le Mali est comme une personne vivante. Vous tombez, vous venez, vous tombez, vous tombez, vous avez un Mali. Et c'est pour cela qu'il est dit que l'armée malienne pourra perdre des batailles, mais pas gagner la guerre. Doudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.